J'ai regardé les actualités régionales et je me suis rendu compte que la ville de Nice et son arrière-pays nous présentent deux faits divers intéressants pour des raisons différentes. Mais d'un côté, nous avons a priori une chance pour la France qui joue du couteau et de l'autre, nous avons une population d'un petit village tranquille qui d'un coup décide d'appliquer la loi de Lynch. Bizarre. Alors déjà, on va s'intéresser à cette curieuse histoire qui s'est passée dans l'arrière-pays niçois, où nous avons eu droit à un événement exceptionnel. Ça arrive de temps en temps, on en avait eu un l'année dernière, mais cela n'en reste pas moins surprenant. Alpes-Maritimes, un homme battu à mort par des villageois à Lascarène après des accusations de cambriolage. Lascarène, c'est un petit village de 2500 habitants, où, mi-octobre, il y a eu un lynchage. Purement et simplement. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nice après le décès de Jérémy da Silva le 14 octobre dernier. Un homme soupçonné de cambriolage par des habitants a été pourchassé et battu à mort à Lascarène, un village de la vallée de Paillon des Alpes-Maritimes. Les faits remontent au 12 octobre. La victime, âgée de 39 ans, est morte 2 jours plus tard à la suite de ses blessures au centre hospitalier de Nice, révèlent nos confrères de Nice Matin. Le 12 octobre dernier, Jérémy da Silva se trouve à Nice avec sa compagne Olivia, habitante de Lascarène. Après une dispute en début de soirée, la jeune femme rentre en voiture tandis que lui décide de s'y rendre en train. Jérémy da Silva est accusé par des villageois d'avoir volé de l'argent chez une habitante de Lascarène. Les gendarmes sont appelés vers 20h35. Ils sont saisis une nouvelle fois vers 21h45. On apprend que le présumé suspect a été arrêté, neutralisé par des habitants, assure-t-il à Nice Matin. Enfin, selon d'autres témoins qui ont raconté la scène à Nice Matin, Jérémy da Silva a été déshabillé et frappé à mort par des jeunes. C'est Olivia qui a découvert le corps de son compagnon aux vêtements déchirés et sans chaussures, au niveau du moulin à l'huile du village. Les pompiers l'ont transporté vers 22h30 au centre hospitalier de Nice, où il décédera le vendredi suivant. Selon Nice Matin, une omerta s'est installée autour du crime dans le petit village de 2500 habitants. Vous ne devriez pas vous en occuper, c'est privé, ça ne vous regarde pas. Je ne veux pas d'histoire, rapportent entre autres nos confrères. Une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le parquet de Nice. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Nice. Aucune mise en examen n'a été pour l'instant effectuée dans ce dossier. Les caméras de vidéosurveillance de la commune ont été visionnées et selon Nice Matin, un auteur aurait été identifié, il serait en fuite à l'étranger et aurait un mandat d'arrêt à son encontre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Déjà, un village de 2500 habitants. Ce n'est pas une ville, c'est un gros village. Dans une ville de 2500 habitants, on ne se connaît pas complètement tous. En tout cas, on connaît la majorité des gens au moins de vue. Et pourquoi ce lynchage? A priori, on n'a aucune certitude que cet homme soit la personne qui a fait ce vol plutôt. Mais surtout, je crois qu'il y en avait pour 45 euros, une carte bleue, des choses qui n'ont pas été retrouvées sur le corps de la victime. Qu'est-ce qui pousse une population à lapider, en tout cas à lyncher, un homme? Jusqu'à quel excès ils sont allés et pour quelles raisons? Moi, j'aimerais bien avoir l'historique de ce village et que les journalistes nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans les mois et années précédentes. Je ne pense pas qu'une véritable chasse à l'homme qui a été menée et qui est tombée sur le dos de ce gars se fasse sans qu'il y ait des éléments préalables. Pourquoi la police, qui a été prévenue une heure avant, en tout cas la gendarmerie, n'est pas intervenue directement? Une suite de questions qui permettrait d'avoir une réponse un petit peu plus précise. Je pense que l'enquête répondra à certaines, mais ce fait divers me paraît curieux. Je vous ai dit qu'il y avait deux faits divers qui se concentraient dans les alentours de Nice. Le deuxième se passe à Nice même. Sans abri tué à Nice, toujours aucun suspect interpellé. C'était le 2 décembre, deux sans-abri ont été tués à Nice et il n'y avait aucun suspect. 2 jours après la découverte des corps de deux sans-abri sur la route de Colmar à Nice, aucun suspect n'a été interpellé. Les blessures sur le corps des victimes laissent penser qu'il s'agit d'une rixe qui a mal tourné. On en était là. Et les choses ont évolué puisque nous avons eu du nouveau. J'ai d'abord regardé que Nice Matin
Un homme armé suspecté d'avoir tué deux SDF interpellés près du marché de Noël à Nice. Selon des sources proches du dossier, l'homme interpellé serait potentiellement le suspect recherché depuis plusieurs jours dans l'affaire du meurtre de deux SDF, dont les corps ont été retrouvés rue de Colmar, mercredi 30 novembre, aux confins de Nice. Un individu armé d'un couteau a été neutralisé par la police ce matin, 4 décembre, dans le centre-ville de Nice. Selon les forces de police, il aurait été blessé par un policier qui l'aurait touché à l'épaule, puis l'homme aurait été interpellé. Les événements se sont déroulés au niveau de la rue Saint-François-de-Paul, dans le Vieux-Nice, tout près de la place Masséna, où se déroule depuis le 1er décembre le marché annuel de Noël. Le premier adjoint à la mairie de Nice, Anthony Boré, confirme à Nice Matin que le suspect se trouvait, selon des sources proches du dossier, l'homme interpellé serait potentiellement le suspect recherché depuis plusieurs jours. La suite de l'article est derrière un paywall, donc j'ai cherché un autre article. Dans cet article, vous remarquerez qu'il n'est pas fait mention de l'origine de l'interpellé, et maintenant nous savons qu'en général, quand il n'y a aucune référence à l'interpellé, c'est que l'interpellé est d'origine étrangère. C'est systématique, c'est un moyen de le détecter. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé un autre article de BFM, sans abri retrouvé mort à Nice, le suspect du double meurtre neutralisé après avoir sorti une arme. Il y a quelques minutes, le suspect du double meurtre de Colmar a été identifié. Repéré par un équipage de 3 policiers, il a pris la fuite avant de se retourner vers une policière qui le poursuivait en sortant une machette et un couteau, a rapporté une source policière à l'AFP. Celle-ci a alors tiré et l'a touché à l'épaule, avant qu'elle ne soit interpellée, a-t-elle ajouté. Il a été évacué vers l'hôpital Pasteur, a-t-on appris auprès des secours. Cet homme de 48 ans, de nationalité iranienne, est connu pour des faits de droit commun, selon une source policière. Il était recherché depuis plusieurs jours, a précisé le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Boré. Une enquête en flagrance pour double homicide a été ouverte jeudi par le parquet de Nice et confiée à la police judiciaire de Nice justement. Les deux victimes sont des hommes et des traces de violence ont été retrouvées sur leur corps, avait précisé le parquet. Dans cette histoire, le fait que l'homme qui est suspecté de ce double meurtre et qui a retourné sa machette et son couteau contre une policière est d'origine iranienne et a 48 ans, nous fait penser que ce monsieur a une mauvaise vie. La question que je me pose, c'est est-ce que cette personne était sous OQTF, d'une part ? Si elle était connue de la justice, pour quelle raison ? Est-ce que c'est un marginal qui, pris d'un coup de sang, a zigouillé de relations d'errance ? Ou est-ce un acte terroriste ? A priori, ce n'est pas le cas, puisque il n'y a pas eu de revendication. Vous pourriez me demander, mais pourquoi nous parles-tu de ça? Je vous parle de ça parce que ces deux affaires titillent ma curiosité. Ce sont des faits divers qui se sont passés dans la même localisation, qui n'ont aucun rapport entre eux, mais qui, dans les deux cas, nous montrent qu'il y a une absence de respect de la vie humaine. D'une part, nous avons une population qui a été excédé par un ou plusieurs événements. Ils les ont poussés à cette extrémité. Et ça, c'est curieux. C'est pas un événement qui se passe tous les jours. Je crois qu'il y a eu un événement comme ça qui s'est passé en 2021, quelque part en France. Et dans le cas présent, nous avons une personne étrangère qui est là en France depuis un nombre indéterminé d'années et qui se baladait avec ses couteaux, sa machette. Pour quelle raison ? Je peux encore comprendre, même si ça me paraît toujours bizarre que une personne, un malandrin, se balade avec un couteau, mais l'évocation du couteau plus de la machette ne m'inspire pas une confiance totale à l'égard des motivations de ce monsieur. L'enquête nous en dira plus, et comme je l'ai dit, je me suis intéressé à ces affaires, à ces faits divers, car il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses pour l'instant.